بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ونبصر ندخل لك إن شاء الله تبارك وتعالى جو مختصر جو قاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين الأسفهاني العباداني رحمه الله تعالى نسم زغي في فصل نسم تجوغ دان كتاب الطهارة نزل الطهارة Et nous sommes arrivés au chapitre qui concerne la bienséance à observer lorsque nous faisons notre toilette intime et lorsque de, lorsque de quoi donc de, euh, de l'accomplissement des besoins naturels. Donc, « Al-Mussanifu Rahimahu Allahu Ta'ala wal-istinja'u wajibun minal bauli wal-ra'iti wal-afdalu an yastanjiya bil-ahjari thumma yutubi'aha bil-maa » ويجوز أن يقتصر على على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل دونك ici المصنف رحمه الله تعالى الشيخ الشيخ القاضي أبو شجاع نوزيك سبليك Comment doit se dérouler la toilette intime Il faut obligatoirement se débarrasser des, des matières fécales et urinaire, après qu'on ait satisfait ses besoins naturels. Il est préférable de se nettoyer avec des objets solides et puis de se laver avec de l'eau. Cependant, il est permis de n'employer que de l'eau ou de n'employer que trois objets solides, pourvu que la partie souillée soit complètement nettoyée. Si le fidèle veut se borner à l'une de ces deux choses, l'emploi de l'eau est plus indiqué. Donc, nous sommes toujours à la page 18. Pour ceux qui ont la traduction du, 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 du Murtasar Abishoudja, édition euh, Maison Del Nour, nous sommes à la page 18 et 19 Al-Istinja 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 Qu'est-ce que c'est qu'Al-Istinja Al-Istinja C'est le fait de purifier Les orifices Pour faire simple C'est purifier Les orifices Ce qu'on appelle en arabe al les deux voies, les deux orifices par lesquels euh, s'évacuent l'urine ou bien les excréments. Tamam? Jamil. Ce qu'il faut savoir ici, al monsannif qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit al istinja wajibun ». Eh, n'ham. Al est obligatoire. L'estinja, elle est obligatoire c'est une obligation une obligation toute personne barakallah qui a accompli ses besoins il lui est obligatoire de pratiquer ce qu'on appelle alistinja maintenant on va voir comment ça se fait comment on fait l'estinja cependant il lui est obligatoire de faire alistinja premier point alwujub alistinja de quoi donc al musannif min une personne qui a fait ses besoins naturels, excréments ou urines, il lui est obligatoire de pratiquer l'estinja et de, et de se purifier. Et les hadiths à ce niveau-là, ils sont nombreux. On a le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, au Ta'ala, le hadith Abdullah al Mas'ud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ou l'abdullah al-Mas'oud a dit, اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار. Le صلى الله عليه وسلم s'est rendu pour pratiquer ses besoins et il m'a ordonné de حديث حديث عائشه رضي الله عنها الج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثه احجار يستطيب بهن فانها تجزي عنه Rapporté par Abu Daoud Fibab et Tahara Donc Aïcha ah, qu'est-ce qu'elle nous dit dans ce hadith Que le, que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit Lorsque l'un d'entre vous se rend Pour aller pratiquer ses besoins Pour faire ses besoins naturels Qu'il prenne avec lui trois pierres Afin de pouvoir se purifier Cela lui suffit Cela lui suffit Tama Aïcha Donc لي <hesitation> لي <hesitation> لي أدلة صون صونومبرو لي بروف صونومبروز والحمد لله رب العالم، لكن نحن على طريقتنا، <hesitation> نحب نستنجي <hesitation> كونسي <hesitation> نستنجي إن شاء الله تبارك وتعالى، إذا، الاستنجاء إت أوبليغاتوار، ون أفي الدليل، لماذا؟ من البول والغائط، إسكلوزيفمون؟ نعم، إسكلوزيفمون، البول والغائط. L'estinja est obligatoire uniquement pour ces deux-là. Pour les urines et les excréments. Toujours par rapport au hadith que nous avons cité et d'autres encore. Donc, il n'est pas nécessaire de pratiquer à lorsque on a des gaz. Il n'est pas nécessaire de pratiquer à l'estinja lorsqu'il y a émanation de liquide spermatique ou autres. voyez, cela n'est pas nécessaire. Du tout, du tout, du tout. Comme on le verra, inshallah tabarak wa ta'ala, dans Nawaqid al-Wudu, incha'Allah, Donc, Al-Istinja, cela est recommandé uniquement, pourquoi donc Pour Al-Boul wa Al-Ra'id. Al-Istinja ou Shey, wal Al-Wudu, Shey. L'Istinja ne fait pas partie de Al-Wudu. Donc, ce n'est pas parce que je vais faire, je me rends pour aller faire l'Wudu qu'il faut nécessairement, avant tout, Ablak le Shey, que je pratique al cela n'est pas nécessaire. L'estinja, c'est une chose. Al-wudu, c'est autre chose. Donc l'estinja ne fait pas partie de, des ablutions. طيب. Maintenant, on a vu le hukm de l'estinja. On a vu son jugement à l'estinja, à savoir euh, la toilette. Maintenant qu'on a vu son jugement, et pourquoi on doit faire la toilette Pour quelle raison Donc on a vu l'urine et les excréments. Barakallahu Comment se pratique cette toilette Kayf. La meilleure pratique, la meilleure façon est d'utiliser quoi donc Des pierres. Et ensuite de faire suivre cela par de l'eau. On se rappelle que la purification, fait comme la base de la purification, c'est quoi donc Alma. Il n'y a pas meilleure chose pour la purification que quoi donc Qu'alma. C'est de l'eau, comme on l'a vu dans euh, le premier cours qu'on a At Tahara. Donc la meilleure pratique Barakallahu feyikum, c'est quoi donc C'est pratiquer à euh, euh, ce qu'on appelle l'istidjmar, donc utiliser des pierres. Et cela est tout à fait permis, conformément au hadith que nous avons cité tout à l'heure, hadith à Abdullah, Ibn Masoud et hadith à Isha. Donc il nous est permis d'utiliser... Des pierres. Alistijmar. Païb. Bomtas. Fumma yutzbiaha bilma. Et enfin, utiliser, faire suivre cela avec de l'eau. Ça, c'est off dans le C'est la meilleure. De quoi donc Des méthodes. Pierre. Pierre, ou bien ce qui peut remplacer les pierres. Objet solide. Vous avez vu le traducteur, qu'est-ce qu'il a mis le traducteur Il a dit objet solide. Objet solide. Tout à fait. Na'am. Comme l'a dit l'imam al-Shafi'i, rahimahu ta'ala. L'imam shafii qu'est-ce qu'il a dit Wa yastanji bil-hijjara wa maqama maqamaha. Ça, c'est ce qu'il dit dans kitab al-Umm. Donc, l'imam al-Shafi'i, rahimahu ta'ala, dans son livre, dans kitab al-Umm, il dit quoi donc Faire lister la toilette intime avec des pierres, ou bien ce qui peut remplacer les pierres. Car ici, on voit que

نزلت هذه الايه في اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الايه ابو داود وادخر ابو هريره رضي الله عنه نجي وجي وجي بخفه صلى الله عليه وسلم قباء Le verset « Fihirijalun yuhibbouna anyatataharu » Voilà des gens, il y a des gens qui aiment se purifier. « Yuhibbouna anyatataharu »« Wallahu yuhibbul mutatahirin » Et Allah aime ceux qui se purifient. Car il pratiquait quoi donc L'istinja de cette façon-là. Les pierres et de l'eau. « Tayyib » Donc la meilleure des tariqas, les pierres et l'eau. انسوت كيس كيجي المصنف رحمه الله تعالى ويجوز ان يقتصر على الماء مي ليو تو تاتي بيغمي وهذا هو الاصل ايسا سي لا باز دوتوليزي هذا هو الاصل كما ايسا لا باز دو لا بيريفيكاسيون تمام سي لا باز ان الماء طهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بسعيد الخضري لو اي بير لو اي بير اي طهور Elle est pure et elle purifie. Donc, il lui est permis d'utiliser uniquement de l'eau pour se laver. Cependant, il est permis de n'employer que de l'eau ou de n'employer que trois objets solides, comme il dit le traducteur. Trois objets solides. Ici, le cadre Abu Shadra a parlé de trois pierres. Mais c'est vrai que Naam, on peut dire également trois objets solides, amma. Donc cela est tout à fait permis. On a vu le Hadith Isha, que l'un d'entre vous, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un d'entre vous se rend pour aller faire ses besoins, qu'il prenne avec lui trois pierres. Cela lui suffit. C'est-à-dire que cela lui suffit pour relever le caractère obligatoire. Tu as accompli ce qui était obligatoire vis-à-vis -vis de intime, à savoir Donc, par contre, le Moussanif, le sheikh, le sheikh Abu a précisé un point. ala Ou bien, trois pierres, al Afin de nettoyer, barakallahu feekum, de nettoyer l'endroit, mahal L'endroit où est issu la najasa l'endroit naturel d'où est issue la najasa que ce soit au debour que ce soit ou au dobur devant ou derrière peu importe arafthum mumtaz donc qu'est-ce qu'il dit ensuite donc qu'est-ce qu'il dit al donc il nettoie avec

شوا رزون أيها اليهود وليس بأخينا شوا رزون تو آفي النبي صلى الله عليه وسلم نهانا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول لو صلى الله عليه وسلم نوزا إنتيرجي دو فار فاس لا قبلة كو سوسا أو بيان ليزيرين Et de pratiquer à se nettoyer, se laver avec la main droite. Il nous a interdit également de pratiquer à avec moins de trois pierres. Ou bien de pratiquer l'Istinja, la toilette intime, avec quoi donc Avec des excréments d'animaux. Rajir, c'est les excréments d'animaux. Ou bien avec un os. Hadith rapporté par Muslim ou Ahmed ou Nasa'i ou ailleurs. Hadith sahih. Tamam. Donc ici, dans ce hadith, on a le comportement à adopter. Ce qu'a ce qu mentionné ici al l'ordre de Abu dans la partie toilette intime et bien-séance, est mentionné dans, une grande partie en tout cas, est mentionné dans ce hadith. Donc ici, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, on doit utiliser trois pierres au minimum, à l'al-aqal. Barda al-fuqaha, ils ont expliqué, ils ont dit quoi donc Qu'il était permis d'utiliser une seule pierre, par exemple, si celle-ci était assez grosse, assez large, pour avoir plusieurs faces, sans que, si on utilise une face, sans que cette l'autre face ne soit souillée par l'utilisation de la première face. Donc, au moins, minimum, trois faces bien distinctes. Certains fuqaha ont mentionné que cela était que cela était permis. permis. Avoir un, euh, une pierre. Ou la haa au jour. Thalat au jour. A qu'elle a trois faces. Et on l'utilise. Ma fille échelle. L'y en a. Elle mouhime. Elle pas à la Le plus important c'est que le but voulu, l'objectif fixé soit réalisé. À savoir au minimum thalat. Ma au minimum, s'essuyer trois fois. Car trois pierres, c'est s'essuyer trois fois. Donc, au minimum, utiliser trois fois pour enlever un najasa tamam. Mais on a un autre hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui mentionne un point. Tamam. <coughs> Lequel C'est que si, après l'utilisation de ces trois pierres, barakallahu fiikum, euh, il reste toujours de la najasa dans ce cas-là il continue dans ce cas-là il continue il continue et il continue donc en 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 3 c'est toujours présent et continue 5 c'est toujours présent Il continue 7 Wahakava. donc soit soit les pierres أو أوتر أخرى كي بخون لا بلاس دي بياغ إكياوسي دي قوتي با من الشافعي رحمه الله تعالى إن وجد حجرا أو جره أو سوانه لها ثلاثة ثلاث وجوه فامتسح بكل واحد منها امتساحة امتساحة كانت كثلاثة أحجار امتسح بها رأيتم هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في في الأم إلى حديث جو خفت صلى الله عليه وسلم ما من استجمار فليوتر كي يكون براتيك الاستجمار يل في النوم فليوتر رواه البخاري ومسلم طيب يا إخوان اون ريبيت الاستنجاء إت obligatoire pour les excréments et les urines La meilleure pratique, c'est de pratiquer avec des pierres, ou bien n'importe quel objet solide, et de l'eau. Au minimum, trois pierres, ou bien trois objets. Tant que ceux-ci ce ne sont pas ni des excréments eux-mêmes d'animaux, comme l'a dit le prophète, c'est des souillures, ces des impuretés, ou bien, ou bien des eaux. C'est comme l'a dit le prophète, il wasallam) a un c'est la nourriture de vos frères leurs animaux etc donc il nous est interdit d'utiliser les os ou bien les excréments d'animaux pour pratiquer l'istinja minimum 3 3 objets, 3 pierres au minimum ou bien un objet qui comporte 3 faces نتوية الاندراء بخيصي بخيصي القاضي أبو شجاع لبخيصي سلا بس كالفقهاء الشافعيه يزون, يزون مسألة يجيس كس إلى نجاسة إذا انتقلت النجاسة من المحل المعتاد إذا انتقلت النجاسة من محله المعتاد إلى مكان آخر تمام إذا تجاوزت النجاسة bilma. bilma. Si la Nadja elle s'est déplacée, elle s'est déplacée de son endroit, fait comme de son endroit habituel et usuel, pour se retrouver à un autre endroit sur le corps, à un autre endroit sur le corps, l'eau devient obligatoire. Ici, si l'eau, elle devient obligatoire.

<coughs> Ensuite <coughs> Si il veut se contenter Juste de l'un des deux Dans ce cas là L'eau est meilleure On passe à un nouveau point On maintenant à la bienséance à adopter pendant Les, euh, les besoins Donc on a vu Comment pratiquer ses besoins Maintenant le bon comportement Ou l'adab Autour de ceci قال المصنف رحمه الله تعالى ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب ولا يتكلم على البول ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما Et de faire face ou bien dos à la Qibla. al c'est faire face. Al-Istidbar, c'est de faire dos à la Qibla. Fis-Sahra. Sahara Fis sahra en plein air, dehors. Oui. Il faut éviter de déféquer et uriner dans l'eau courante. Au-dessous. D'un arbre fruitier Dans un lieu ombragé Sur un chemin ou dans un trou Il faut garder le silence Et ne pas se placer Face euh, Face au soleil Et à la lune Ou bien tourner vers le soleil Ou la lune <coughs> Donc ici le Cheikh Abou Ta'ala Ici il nous indique donc la bienséance à observer pendant l'accomplissement des besoins naturels. Donc, premier point, qu'est-ce qu'il dit Voyage Voyage al Il est interdit de faire face à la Qibla. et de faire d'eau قبلة في الصحراء. آه، أنا أشاهد سلمان الفارسي رضي الله عنه. ذا الحديث دو سلمان الفارسي رضي الله عنه، إيمونسيون كليغمون كولو بروفيت صلى الله عليه وسلم يجي ونهانا.

طيب يسير المصنف لاجي فردوس également. نعم هناك حديث اخر اللي également ان اوتر حديث رابختي بحال البخاري ومسلم le prophète صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبله ولا تست ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا هذا حديث ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه vous vous rendez Euh, lorsque vous allez accomplir euh, vos besoins ne faites pas face à la qibla et ne faites pas dos à la qibla ou faites en sorte que la qibla se trouve soit à l'est soit à l'ouest euh, soit à votre droite pardon soit à votre gauche شرقوا ne غربوا mais faites pas face pas à تمام tamam. ni à l'estidbar طيب Ici, on voit que le Moussani Fouraim Allah a dit Sahara. Il a précisé dans le désert, en plein air, dehors. Qu'est-ce que cela indique Cela indique que cette interdiction, car c'est une interdiction, c'est une interdiction, que cette interdiction concerne uniquement en plein air et pas dans les lieux d'habitation. Car ici, le précise, dans Sahara et non pas dans les lieux d'habitation. Cette question, il y a plusieurs paroles. Cette question, c'est une question dans laquelle il y a eu une grande divergence. Euh, <coughs> il y a eu une grande divergence et tout, etc. etc. et la l'arrière, euh, les fuqaha, les, les, les ulema, ils, euh, ils ont parlé sur la question et la et tout, et tout, et tout. Cependant, l'avis du Madhab, les shafiiyya notamment l'imam et les en regardant toutes ces preuves et en les regroupant les unes avec les autres, ils ont conclu que cette interdiction concernait uniquement Barak Allahu comme uniquement lorsqu'il s'agissait d'être en, en plein air. Vous voyez? أيها، وليست في مكان مبني إلى آخره ليش؟ لماذا؟ لأن حديث. لأن هناك حديث وهو حديث ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته. مستدبر القبلة مستقبل الشام رواه البخاري وأحمد والترمذي وغيرهم أرأيتم؟ دونك كيسكي جا عبد الله بن عمر يجي جي غامبي جي غامبي لو دو لا ميزون دو حفصة عنها اي جي في لو بروفيت صلى الله عليه وسلم كي تان تران داكومبليغ سي بوزوان اي فوزي دو على قبلة اي فوزي فاس او الشام اي فوزي دو على قبلة Et ils faisaient face au cham Par conséquent, les Fouqa ah en regardant ces hadiths, ils ont vu que l'interdiction concerne barakallahu feekum concerne uniquement, uniquement dans les lieux, euh, dans les lieux, dans le désert, dehors, en plein air, etc. Et non pas un lieu construit dans les habitations, etc. أونسويت كيس الشيخ لو القاضي أبو شجاع، يجي البول والغائط في الماء الراكد. نو با اريني، نو با ني ديفيكي دون 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 حديث صلى الله عليه وسلم، rapporté par مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. لو صلى الله عليه وسلم أ d'uriner dans de l'eau courante, dans de l'eau courante, tamam filma et et de l'eau stagnante, de l'eau stagnante mimbab et la L'interdiction dans de l'eau stagnante, l'interdiction est quoi donc Est encore plus forte. L'interdiction est encore est encore plus forte. Le simple fait qu'une personne euh, Soit en il lui est pas permis de le faire dans de l'eau euh, qui est stagnante. Alors que dire une personne barak qui qui urine dans de l'eau dans de l'eau stagnante On vient de citer le hadith de, de Ja'bir euh, <coughs> Alors euh, que dire si, si c'est de l'eau euh, dire si c'est de l'eau qui est stagnante D'ailleurs, c'est ce que l imam, l imam al dans le Majmou, dans, dans le Minhaj, ou le Majmou, qu'est-ce qu'il dit Il dit si l'eau Si l'eau est courante, l'interdiction ici, c'est une interdiction, Barak comme détestable. L kathiran. Si l'eau, elle est courante, et c'est une, une grande quantité. Car malgré tout, l'eau, on peut toujours l'utiliser. Seulement, ça ne se fait pas. كانت لو إلا فهذا محرم هذا سيسكو جي الإمام النووي رحمه الله تعالى في <hesitation> سون مسلم إدن المجموع إدن المجموع <hesitation> صلى الله عليه وسلم كاسكو يجي ليغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب كو بيرسون أتخوفو نبقاتيك دون دو تمام هكذا ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وتحت الشجره المثمره وتحت الشجره المثمره اي ان تسو د ان arbre d'un arbre اي ان تسو d'un arbre d'un arbre fruité le prophète sallallahu alayhi wa sallam il في الطريق sur le sur la voie. Et il a interdit aussi également de quoi donc d'uriner, de faire les dans les zones et dans les lieux qui sont ombragés. À ce niveau-là, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa Qu'est-ce qu'il dit ?« Et « Méfiez-vous de ceux qui maudissent » de ce qui cause la malédiction. « اسحابا انت مسيكو لعانا كيسيكو ثامال ديكسيون كيس سي كو كيس كي كيس كي, كي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم رواه مسلم celui celui بارك الله فيكم qui في besoins في طريق الناس sur la sur le chemin les sentiers des gens là où les gens marchent et également بارك الله فيكم في ظلهم sur so les zones qui sont ombragées là où il y a de l'ombre Concernant l'arbre fruitier, parce que ceci ada. Concernant l'arbre fruitier, parce que dans cela il y a quoi donc? Tu causes du tort. S'il y a un arbre fruitier, forcément quelqu'un va venir pour cueillir les fruits, Et toi en urinant sous cet arbre fruitier, déjà l'arbre fruitier peut cueillir les fruits. L'arbre fruitier également quoi donc? C'est un endroit où il y a de l'ombre etc. Donc tout ceci, barakallahu fik, fait que tu rentres dans cette dans cette interdiction. Il y a faire ses besoins sur le sur le sur le chemin des gens, faire ses besoins, dans les zones ombragées. Pourquoi tout ceci est interdit? Il fait parce qu'il y a dans cela quoi donc barakallahu fik. Qu'est-ce que tu fais? Tu causes du tort. Tu causes tu causes du tort. Tamam Ensuite, il est interdit également de faire ses besoins et d'urine dans les athrob dans dans les trous et ça y a un hadith du prophète sallallahu alaihi wasallam rapporté par abu daoud où le prophète sallallahu wa wasallam a dit ou l'ajin à rasulullah sallallahu alaihi il a été interprété par le prophète sallallahu wa wasallam de faire ses besoins justement dans les trous les trous les ce qu'on peut voir des fois sur le fiterik en dessous des arbres ou autres des petites fissures comme ça etc à de n'y adjouz cela سولا ني انتيرجي سولا ني ولا يتكلم ولا يتكلم على البول ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. نو با بارلي لور دو لكومبليسمون دي بوزوان. نو با بارلي لور دو لكومبليسمون دي بوزوان. يسكت. يسكوووووت. تمام؟ إل سوت. يا حديث للبروفات صلى الله عليه وسلم. لا يخ... لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عروتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك رواه أحمد وأبو داود تمام alors ces gens là ça ne les dérange pas ils sont là ensemble en train de faire leurs besoins leur euh, leur leur partie sont découverts chacun peut voir ses parties intimes et en plus et ils discutent يتحدثان et ils discutent certes Allah تبارك wa ta'ala n'approuve pas cela إن الله يمقت على ذلك رابورتي بار أحمد إيه أبو داود و encore le hadith صلى الله عليه وسلم rapporté par par Ahmed ما مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه فتوضأ أو تيمم ثم رد عليه وقال إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على الطهر okay. Un homme est venu voir le prophète, il est passé près du prophète, sallallahu alayhi wasallam, et ce dernier était, était en train de, prat... de, de, de faire ses besoins, d'accomplir ses besoins. Fassal l'amalé, il lui a passé le salam, et le prophète sallallahu alayhi wasallam, ne lui a pas répondu. Jusqu'à ce qu'il pratique le wudu ou et ensuite, il a répondu. Et après, il lui a dit Je teste, je désapprouve, je n'aime pas évoquer le nom d'Allah, alors que je ne suis pas en état de purification. T'as même Donc. Ici, quelqu'un peut dire, ouais, mais là on parle du salam. Naam, on évoque le salam. Évoquer Allah, taba wa ta'ala, salam, alaikum wa rahmatullah, etc. Mais le prophète, salam, aurait pu lui dire, lahda, deux secondes, je suis, je, je suis occupé, je viendrai à toi, attends tout cela. Pourtant, malgré tout, il n'a pas répondu. mutlaqan. pas un mot, pas un son, est sorti de la bouche du prophète, salam, alayhi wa salam on a qu'un ensuite qu'il a évoqué le montaniforrahim. Allahu Ta'ala, Et on va terminer avec cette, euh, ce dernier point, le fait de faire face au shams ou bien à la lune et euh, ou bien de lui faire de faire dos au soleil ou à la lune. Alors, il faut savoir c'est que les fuqaha Ils ont évoqué cette mas'Allah. En effet, ils évoquent cette mas'Allah. Mais comme vous vous souvenez, barakallah comme on a vu et on avait on mentionné que dans le Murtassar Shujaa, dans son Murtassar, Cheikh Shujaa mentionne des masail, des avis, qui sont bien évidemment, sont le mot dans le madhhab, sont les avis prépondérants du madhhab, mais à certains sujets, ce n'est pas les avis prépondérants du madhhab. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des opinions qui ont été émises par des fuqaha. Si, on ne va pas encore dans le détail qui sont ces fuqaha et tout ça, et Pour l'instant, ce n'est pas encore notre moustawa, ce n'est pas encore notre niveau de naqash, les, euh, les opinions. Cependant, bien que cet avis soit un avis soit faible, mais c'est une opinion qui a été évoquée par des faqih shafiyya du madhab Cependant, de ce qui est moins fil madhhab, comme l'a dit le al, euh, al, al faqih al bajouri, ou taala, al bajouri shafiyya, ce qui est moins dans le madhab c'est le fait que ce soit détestable, le fait de se faire de faire ses besoins face à la lune ou au soleil. Ça, c'est détestable. Attention, c'est détestable. Ce n'est pas interdit. Faire face à la Qibla, faire dos à la Qibla, dans plein air, tout ça, cela est interdit. Dans des endroits où c'est construit, là-bas. Faire face au soleil ou bien faire dos au soleil, le cher Abou Choudiha dit pas que c'est interdit même si ça peut laisser sous-entendre. Mais non, cela est détestable. Seulement, dans le madhab, ce qui est uniquement détestable, c'est de faire face à la qibla, euh, face au soleil ou à la lune. Suivez bien. Ça, c'est détestable dans le madhab. Donc là, ici, qu'est-ce que je mets Quand j'arrive à ce point-là, je mets dans le madhab, la vie. Dans le madhab, c'est uniquement de faire face au soleil ou bien à la lune. Ils ont fait une analogie. مع القبلة بسكله شمس واللune من كائنات عظيمه لله تبارك وتعالى دونك سوى un قياس انالوجي سا سي لا مذهب cependant cependant الامام النووي رحمه الله تعالى في الروضه قال المجموع شرح المهذب كيسكي لا قال ان استدبارهما ليس بمكروه قال في شرح الوسيط إن ترك استقبالهما واستدبارهما سواء فيكون مباحا وقال في التحقيق إن كراهة استقبالهما لا أصل لها لا أصل لها الإمام النووي رحمه الله تعالى لو يجيك فيغ فاس أو سولاي وفيغ دو أو سولاي لا لون بامبورت سواء سي مباح C'est permis. Et il a précisé dans son dernier livre, at que cela n'a aucune base et aucun fondement. Il n'y a pas de preuve à ce niveau-là. Il n'y a pas de preuve à ce niveau-là. Donc, l'imam Al-Nawawi, lui, voit que ce n'est pas du tout détestable de faire face ou bien de faire dos euh, à la lune ou au soleil. Concernant le fait d'être dans un, dans, un, dans, un, dans un bâtiment ou dans un lieu construit, Tout ça Concernant le fait de faire face à la Qibla ou faire dos à la Qibla. Les ils ont mentionné aussi, à ce niveau-là, une petite précision. Ils ont dit que si la personne se trouve dans un lieu, dans un lieu fermé, ou comme à l'époque, Comme à l'époque les toilettes publiques, mais qui étaient fermées avec des petits. On avait des sortes de. des murettes, etc. Mais en haut, c'était ouvert. Hada, c'est bon. Tant qu'on a un satir qui est mortifié, tant qu'on a un, un muret, un muret, un mur élevé qui nous sépare. Et ils disent à peu près, a à peu près. Tamam, Donc, à peu près, si on a, faykum, <coughs> si on est dehors avec un muret qui fait à peu près, barakallahou féikoum, trois coudées. Tamam. Cela suffit. Si on a trois, trois coudées ou plus, ça suffit. Si on fait le al-istiqbal » ou bien l'estidbar à ce niveau-là, si on se met face à la Qibla, ou bien on se met dos à la cela, ils disent les foukas à khilaf ou khilaf C'est-à-dire que tu le fais, c'est pas blâmable, mais l'humus de ne pas le faire. Tandis que dans les constructions proprement dites, al-bina, maison, tout ça, il a achri. فهذا يجوز. سو لاي يابا ابا ونكتفي بهذا المقدار ان شاء الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلي الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دونك ونبقى ان شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم، دونك بروشان كور كونسيرنان، ونبا تاكيان نوفو فصل، ويون فا فواغ سوكي سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم. ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوه اليه والصبر على الاذى فيه والحمد لله رب العالمين